Nous sommes au Portugal, à Lisbonne, ce 11 octobre 2001, pour le championnat du monde du contre-la-montre sur un parcours exigeant de 38,2 km. Beaucoup de relances, beaucoup de lignes droites. On peut mettre du braquet, mais il y a aussi pas mal de faux plats montants. Donc il faut être en grande condition physique pour devenir champion du monde sur ce parcours portugais, donc comme je vous ai dit, très exigeant. Et pourtant, le grand favori, Jan Ullrich, va partir avec du retard, puisqu'il avait 20 secondes de retard sur David Millar après 13 km de course. Mais progressivement, l'Allemand, vainqueur du dernier Tour d'Émilie, titré en 1999 champion du monde du contre-la-montre à Vérone, eh bien Jan Ullrich va accélérer quand on va arriver dans la partie la plus difficile du parcours. Il va même revenir sur Laszlo Brodrogi dans le dernier kilomètre. Et finalement, Jan Ullrich va donc décrocher un deuxième titre de champion du monde du contre-la-montre à la vitesse moyenne de 51,859 km/h et va donc s'imposer devant le malheureux David Millar qui a subi la loi de l'Allemand qui a réalisé un temps de 51 minutes 49 secondes et 99 centièmes. Derrière donc David Millar, vous voyez ici qui prend la deuxième place pour 6 petites secondes aux dépens de Jan Ullrich. Et la troisième place c'est pour Santiago Botero, troisième à 11 secondes devant Levi Leipheimer et Laszlo Brodrogi. Ciao tout le monde.